en direct sur France Bleu Belfort-Montbéliard jusqu'à 18h. Donc j'aimerais un peu plus d'applaudissements, un peu plus d'encouragement pour les auditeurs auditrices de France Bleu. Est-ce que ça va la place Corbique? J'aimerais qu'on applaudisse bien bien fort également les techniciens de France Bleu Belfort-Montbéliard. Il y a Simon qui est là-bas parce que je peux vous dire que c'est pas évident. C'est pas évident de réaliser de la prise de son, du live. Il y a Thibaut qui est derrière et toute l'équipe. Il y a une prise de son live et il y a en plus une diffusion à la radio dont on augmente le degré de difficulté. Vous les avez entendus répéter derrière moi. Ils nous viennent de Bordeaux. Mesdames, messieurs, vous connaissez Bordeaux? Ouais. Qu'on va retrouver en Ligue 2 avec le FC Sochaux-Montbéliard d'ailleurs, si je ne m'abuse. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le groupe qui va suivre. C'est une passion commune, hein, la musique, le rock, la scène indé. C'est au lycée que cette histoire commence, influencée par The Doors. On va retrouver un univers spontané, enthousiaste, décalé. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements, public du FIMU, à Bilbao Kung Fu, sous les applaudissements de la foule en délire en direct. C'est à vous, les gars. Ouais, Stéphane. Salut, Belfort, ça va? Ouais. J'espère que vous êtes très très chaud parce que nous, c'est le cas. Ouais. On va envoyer sec directement. Cette chanson s'appelle Respect. Ouais.